Mais je te fais entendre de ne pas accepter ce poste risqué que te propose Lord Féador. Je pourrais devenir sa main, je sauverai le peuple. Je t'en prie, Kate, je suis sûr que je ferai une très bonne main du roi. L'hiver vient. Pas de signataire. Nous n'avons pas de temps à perdre. Mon fils, l'héritier du trône, a besoin de vous, Eddard Zephyr. Vous êtes désormais la main du nouveau roi. Ne veux-tu donc pas aider ton aimable frère dans sa conquête des six royaumes ? Pourquoi devrais-je te servir d'appât pour récupérer un trône que tu n'es même pas sûr d'avoir ? Tu ne me parles pas comme ça ! Tira bien, Kat. C'est un Zéphyr. Il survivra. Pourquoi ? Lorsque la famille royale fait son arrivée, il arrive quelque chose à Bran. Cesse de faire l'enfant. Si tu continues à être insolente comme cela, je te promets que je laisserai Khal Drogo faire ce qu'il lui plaît de toi. Désormais, je ne recevrai plus d'ordre de ta part. J'espère m'être fait comprendre. Qui êtes-vous ? Il ne devait y avoir personne. Non ! Lord Féador, huitième du nom, roi d'Ivencraft, et Sansa Zephyr. Fille du gouverneur du Nord. Je vous déclare, mari et femme. Il vaudrait mieux ne rien divulguer. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à vos filles. Votre mari Ned en sait déjà un peu trop. De plus, une rumeur sur de l'inceste que moi et Jamie auraient commis circule à Port-Réal. Eddard payera pour cela. Joffrey n'aime pas que l'on s'interpose dans son chemin de roi. Cersei Azur. Comment ose-t-elle ? Vous ne pourrez pas cacher ce petit secret bien longtemps. C'est un mensonge, même si cela était vrai. Je protégerai ma mère de toutes ces représailles. Quoi qu'il en soit, vous devrez avouer tous vos mensonges devant le peuple et devant moi, votre roi. Je suis très mécontent. Cela vous laissera une chance et vous serez envoyé au mur pour faire partie de la garde de nuit.
Lord Eddard Zephyr, vous comparez aujourd'hui devant Geoffrey Féador, roi et protecteur du royaume, et Sansa Féador, femme du roi, pour un motif qui lui déplaît. Oui, cela me déplaît énormément. Puis-je terminer ? Bien sûr, mais où est donc Mère ? Vous avez trahi. Ce n'est pas un traître. Pourriez-vous cesser de parler, Lady Féador ? Donc, vous avez trahi le roi Geoffrey. Vous avez propagé un mensonge dans toute la ville, et aussi le royaume. Ce mensonge est à l'égard de Jaime et Cersei Azur, qui mettent en cause la natalité de Geoffrey. Retenez-vous ces dires ? Je ne maintiens pas ce que j'ai dit. Bien, cette comparution ne sera pas bien longue. Je propose donc à notre roi de l'envoyer le récent séjour au mur. Bien trop courte. Oui, je m'ennuie. Cela mérite qu'il soit tué et que sa tête soit accrochée sur une pique et jetée du haut d'une falaise. Non ! Il est tout de même le père de votre femme, et cela ne mérite pas qu'il soit tué. Dois-je te rappeler qui est le roi ? Non, assurément. Mais il ne vaut mieux pas qu'il présente ses excuses devant le peuple, puis envoyer intégrer la garde de nuit. Qu'il fasse ses excuses devant le peuple.
Je demande le pardon. Pour avoir propagé une fausse rumeur à l'égard de Lady Cersei Féador et de Joffrey Féador, notre roi. Je ne maintiens pas ce que j'ai dit. Tout n'était que mensonge. Je vous fais encore une fois mes sincères excuses et j'espère que les dieux sauront me pardonner. Bien. Qu'il soit tué. Non ! C'est moi qui décide. Thank you.
restore your dead to life, but perhaps I can give you justice in the name of our king.